Salut tout le monde, c'est AlexVic. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Non, je rigole. Salut tout le monde, c'est AlexVic. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Madden NFL 16. Troisième épisode, week 1. Donc très important parce que week 1, la pré-saison, c'était de la merde. On s'en bat limite les couilles. Hein. On s'en bat limite les couilles. Bon, je pense que vous aurez quand même apprécié. C'était assez sympathique. Donc il y en a qui vont m'insulter, je pense, certains supporters des Giants ou autres. Parce que Shepard, en fait. J'avais oublié, mais en fait je viens de tilter qui c'était en fait. Et en fait c'est le receveur d'Oklahoma là qui est assez chaud. Un petit là qui a fait une bonne saison l'année dernière et qui est vraiment chaud. Mais voilà, il a pas trop bien joué, hein. Du coup Davis, 65 d'overall, est devant. Il avait qu'à être meilleur, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Donc voilà. Et puis de toute façon il y a Dablé devant. Bon. Donc Davis a gagné sa place et je m'en bats les couilles dans les commentaires. Je m'en battrai les couilles. Sachez-le, ça sert à rien d'écrire, je m'en battrai les couilles. Voilà, tout ce que j'ai dit, pouce bleu et tout, n'écoutez pas. Vous faites ce que vous voulez mettre un pouce rouge, j'en ai rien à foutre non plus. C'est vos choix. C'est vos choix. Voilà. Non, parce que tous les trucs putaclic et tout, on en parle de cette fiche de puterie. Les mecs qui mettent des titres de PD. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je... Voilà. Je tiens à vous. J'essaie de vous... malgré mon très peu de temps, j'essaye de vous proposer du contenu de qualité. Voilà, j'essaye de rester dans du Madden parce que je sais que voilà, mes abonnés sont là pour ça. Donc voilà, je ne vais pas dans autre chose. Si je décide de faire autre chose un jour, ce sera sur une autre chaîne. Voilà, je tenais à vous le dire. Donc voilà, vous êtes très important pour moi. Voilà. Faut savoir aussi que cette série est un sacrifice. Est un sacrifice parce que, voilà, je vous explique. Ouais, je l'ai déjà dit. Là, il me reste, au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai pris du retard en plus, encore plus. Il me reste exactement une semaine pour sortir. Maintenant, il m'en reste 12 épisodes. C'est-à-dire 2 épisodes par jour. Donc, sachant qu'un tournage me prend environ 1 heure. Voilà. Donc, 2 par jour, 2 heures. Il me faut 2 heures par jour. Et qu'un montage, ça me prend environ 1 heure aussi, avec le temps de rendu 1 heure. Donc en gros, il faut que je prenne environ 5-6 heures par jour pour vous faire ça. En gros, je vais pas dormir. Voilà. Je vais pas dormir la semaine avant mes vacances, ça va être chaud. Ah, ça va être chaud. Mais c'est parce que je tiens à vous, ça. Je tiens à vous. Ok. Ok, Explique. couille. Bon, on va lancer direct le match. Voilà, j'ai déjà présenté les titulaires lors du dernier week, et donc ce sera un premier match contre les boys. Bah pour l'instant on va pas améliorer, je pense on commencera à améliorer les joueurs à partir du week 3. Donc voilà, premier match avec, putain ils ont 90 d'overall ces PD. Premier match avec les vrais titulaires on va dire. Parce que voilà, les matchs précédents c'était un carton avec les titulaires et le reste avec les remplaçants. Bon, alors on est on fire, on commence au return. Alors, Harris, ou je sais même pas c'est qui. Le deuxième returner, mais bon, c'est pas grave, de toute façon c'est Harris. Merde. Allez, première play de la saison. Mais non, c'est Dablé qui va courir. Trop marrant. On a fait une course avec Anthony Dablé en running back, pourquoi pas. Celui qui était sur Odell Beckham Jr. Ok, premier catch de la saison pour Odell Beckham, un catch de 11 yards sur un petit tracé. Ok, c'est de la zone. Et voilà, très bien. Très bien le franchise. Putain, ouais, je me suis trompé, j'ai pas validé. Putain, j'ai pas validé le playbook comme un con. Allo Odell, accélère, le first. C'est bon, normalement c'est bon. Allez, première screen, en plus on a Verin, c'est parfait. Et en plus il y avait un blitz, c'est parfait pour nous ça. Ok, juke move qui passera pas. On progresse bien, on progresse bien. On est sur les 25 des Cowboys. Oui, super. Super catch de la part de notre tight end, Larry Donnell. Allez, course du fullback. Et on va marquer notre premier touchdown de la saison sur une fullback dive. C'est pas très joli, je vous l'accorde. C'est pas très joli. Alors, leur running back titulaire, c'est Alfred Morris, je crois. Ouais, c'est ça. Qui nous a un peu pissé dessus déjà. Allez, Thomas The Third. Oh non!
Ça va être quoi le flag? Un holding. Dites-moi holding. Oh là là, mais j'étais. Oh non, mais c'est. J'étais à deux doigts. Pourquoi il la touche pas, cet enfoiré? Putain de merde. Oh, c'est super bien défendu ça. C'est nickel. Et Olivier Vernon qui va prendre son premier sac de la saison. Oui, boum. Ok, ils ne connaîtront sûrement pas, à part s'ils s'intéressent un peu à l'histoire du football. Aïe. Oh, la petite passe sur Dablatron qui va se battre pour des yards, c'est super ça. Eh oui. Allez, la passe sur Jeremy Davis. On va la jouer rapide. À moi de trouver le trou. Ok, il n'y en aura pas, je pense pas. Oh! Oh putain, Jennings, quel beau gosse. Quel beau gosse. Ok, j'ai pas trouvé de solution. Ça a été très bien défendu côté boys. Oui! Super Harris, Dwayne Harris pour son premier catch, je crois. Ou double extérieur. En un contre un, peut-être. Oui! Dablatron, les gens! Eh oui! Eh oui! Putain de merde! Putain de merde! Le Frenchies qui va catcher cette balle au-dessus. J'ai pas vu c'était qui le défenseur, mais en un contre un, c'était super. En plus, on lui a roulé sur le dos pour rentrer dans la end zone, c'est magnifique. Ah merde. Voilà, il y a Apple, ça fait des plaquages, ça fait des bons plaquages. On va essayer de faire un rush avec Vernon. Je sais pas si c'est du power move lui ou pas. Ou si c'est du finesse. Oh là là! Oui! Putain! Vernon du coup qui rate de peu le sac, mais ça va obliger Romo à reculer un peu plus et Pierre-Paul était là derrière. Ok, Pierre-Paul et Vernon qui prennent tous les deux le sac. Tous les deux un sac, pardon. Voilà, Maurice, d'où tu sautes? D'où tu sautes? Ouais, super ça. Oh putain. Dez Bryant qui t'a doigt de catcher cette balle. Et ça s'est très bien défendu par Rogers Cromartie. Mais j'ai eu peur. Parce que je voulais direct lancer en touche. Et en fait, j'ai un peu bougé mon doigt. Du coup, ça a fait un pump fake. Et au final, l'autre il a sauté comme un con. J'aurais peut-être pu compléter après. Ça aurait été stylé. Ok, on a aussi Donnell qui fait un petit tracé. Putain! Ouais, super! Ça pue la merde. Ah putain! Voilà, je parlais justement de Cromarty sur Dez Bryant pour l'instant. Et là, du coup, je pense que c'est au niveau du release que ça s'est joué. Boum! Ok, bien joué, Witten. Ah, c'est super bien joué. Ce qui est sur Williams, Terrence Williams. Ouais, je crois que c'est ça. Oh! Oh, pourquoi ça fait pas le plaquage? Oh non. On se prend un run de Romo du coup. Oh non, j'ai tellement le seum. Vous avez vu le cercle, il était dedans sans déconner. Putain, ça fout les boules. Ok. Oui, super Beckham Junior. Ok, super Victor Cruz. Super Victor Cruz. Ah, dommage.
Il y avait Donnell qui était libre, mais je l'ai vu trop tard. Oh non, Manning, tu déconnes! Oh, il déconne tellement là sur ses lancers, putain! Oh non, non, faut pas rater les plaquages là. Putain, faut pas rater les plaquages, bordel de merde, qu'est-ce que je dis? En plus, je fais des plaquages sécurisés, c'est pas des big hits quoi, c'est ça le pire. Oh putain. Boum! Voilà, ça c'est good. Oh merde. Quel va être le flag? Quel va être le flag? J'espère que c'est contre l'offense. Non, ça va être contre la D. Putain, encore un holding de défense. Casse les couilles, allez. Et voilà, la fake fullback, dive qui passe. Et du coup, les Cowboys qui égalisent. Voilà, ça a donné le premier match de la saison qui va être un match tendu. Voilà, nickel ça. Oh, super Victor Cruz. Super Victor Cruz qui fait le taf. C'est de la merde comme formation, j'aurais pas dû jouer ça. Quoique. Super le first qui est pris. Le first qui est pris, j'aurais pas dû jouer rapidement. Oh, c'est bon, ça n'a pas compté. On a seulement besoin de 3 points. Ouais, super Jennings. Ah là, il nous refait. Il nous refait Jennings, il est en train de nous refaire. C'est super. Voilà, en All Madden, c'est aussi plus dur. Les field goals. Allez, 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 allez. Ouais, super ma gueule. Ok, allez, 18 secondes. Alors, il n'y a pas de vent, je crois. Ça l'affiche pas. Putain, c'est des PD si, genre, c'est parce que c'est la fin du match et du coup, il y a la pression, du coup, ils affichent pas le vent. Je pense pas que ce soit ça. Allez, let's go. Let's go, ça rentre. Victoire dernière seconde pour le premier match de la saison, c'était chaud, 17-14. Un bon match, on notera aussi la belle performance d'Anthony Dablé avec son premier touchdown. Voilà, le premier touchdown. Et le deuxième touchdown, c'est qui exactement? C'était, non, c'est le premier touchdown de la saison, c'était sur une fullback dive. Et notre seul touchdown à la passe, c'est Anthony Dablé. Alors, je trouvais ça un peu court du coup pour les prochains matchs. Voilà, les stats sont pas trop réalistes, je ferai un peu plus long. J'ajouterai une ou deux minutes par carton. Je pense une minute parce qu'après, ça sera trop long pour moi. Voilà, mais c'était un beau match, c'est un beau match, c'est serré et c'est des matchs comme ça que j'aime. Personnellement, on va regarder les stats un peu de tout le monde. On va pas regarder les adversaires à chaque fois. Voilà, Romo qui fait quand même, Romo pardon, Manning qui fait un bon match, 78% de complétion, 1 TD, 0 interception, 212 yards. Voilà, Jennings qui a été vraiment très bon, 5 yards par portée avec 16 courses en tout pour 80 yards. Réception, Dablé est premier avec 4 réceptions, 65 yards. Beckham est deuxième avec 3 réceptions, 40 yards. Et ensuite, on a Victor Cruz avec 2 réceptions, 38 yards. Niveau des blocs, du bloc, on a pris 2 sacs à cause de Rec Flower. Va falloir vraiment que je l'augmente. En défense, notre plus gros plaqueur est Landon Collins. Ensuite, il y a Ellie Apple. Niveau des tacks for loss, on en a que 2. Il y en a un de Collins, un d'Harrison. Les sacks, on en a 3. Un de Vernon, un de Keenan Robinson, notre middle, et un Jason Pierre-Paul. Interception, il n'y en a pas eu. Et les fumbles non plus. Voilà. Bon, bah, les gens, c'était Alex Vic pour ce premier week, troisième épisode de cette saison avec les New York Giants. Et on se retrouve du coup pour l'épisode numéro 4 avec le deuxième week. Ciao tout le monde, bye. Willie Moe always ready. Willie Moe always ready. Willie Moe always ready. Willie Moe always ready. Moe City, man.